Aujourd'hui, on est réunis sur le pont de l'Europe par rapport aux négociations commerciales qui vont se terminer demain pour mettre la pression au niveau des GMS pour qu'elles revalorisent nos produits. Justement, on doit rencontrer les directeurs de GMS à 15h qui vont nous expliquer d'où en sont les négociations commerciales. Et on est là aussi pour dénoncer l'accord sur le Mercosur qui va autoriser à clairement importer de la merde en France, tout ça pour pouvoir vendre des avions et des voitures à l'étranger. Disons que l'objectif d'une journée comme celle-ci, c'est de réunir jusqu'au bout, c'est-à-dire lors des négociations commerciales, nos adhérents, nos agriculteurs, pour aller, on va dire, dans la continuité des mercredis des négociations commerciales. Et de terminer, parce que après-demain, mercredi, fin des négociations, mais aussi des éléments, on va dire, de tendance qui permettent demain de demander des comptes à nos industries agroalimentaires et aussi à nos coopératives sur les hausses qui ont pu être obtenues et de façon à ce que nous, nos revenus en tant qu'éleveurs, en tant qu'agriculteurs, soient revalorisés à la hauteur des hausses obtenues. Insuffisantes sans doute, mais pour aller jusqu'au bout. L'entrée de viande brésilienne, argentine, sud-américaine pourrait perturber nos marchés. Et donc c'est un élément qui est important, qui peut paraître loin de nos exploitations, mais qui à terme pourrait perturber le prix payé à nos produits sur le marché français. Et donc ça c'est un élément important. Deuxième élément de discussion avec le gouvernement, c'est suite aux états généraux de l'alimentation, c'est que la loi qui va permettre d'encadrer les négociations commerciales puisse être, on va dire, constructive et surtout intègre nos coûts de production. Donc si j'ai un vœu pieux à émettre, c'est de tenir compte des indicateurs de coûts de production dans les futures négociations commerciales de façon définitive, de façon à ce que l'élevage français et les agriculteurs français puissent perdurer. L'intervention des quatre directeurs de GMS, je pense que le souci c'est qu'ils sont un peu muselés pour vraiment donner leur position et nous donner des tendances de prix, tant que les négociations commerciales ne sont pas finies. Maintenant, c'est quand même bien qu'ils soient venus. Je pense qu'ils nous ont rappelé, et c'est important qu'ils le voient aussi, qu'ils font partie d'un territoire et d'un terroir, qu'on est avant tout leurs clients aussi, nos familles, les uns les autres, on est tous les clients, donc c'était important qu'ils soient là aujourd'hui et qu'ils viennent aussi prendre un peu la colère aussi des agriculteurs, autrement que par des pneus baignés devant chez eux, et qu'ils soient vraiment au contact et qu'ils viennent vraiment nous dire leurs sentiments de ce qui se passe dans les box. Le bilan n'est plus à faire de ce Mercosur, c'est une catastrophe pour le marché français. Je le disais tout à l'heure, si on le signe, je serais vraiment très très inquiet pour la filière bovine française, qui est une filière d'excellence. Si on signe ça, je suis vraiment désolé, mais l'incohérence politique sera vraiment là l'exemple parfait.